avoir ma carte de crédit aux enfants. Mais tout ce qu'ils auront acheté aujourd'hui avec ma carte de crédit, eh bien, ça va aller à vous, les abonnés, qu'on rencontre au courant de la journée. Oh! Vous êtes prêts à vider mon compte de banque? Oui. Oh. Mais, par exemple, pour pouvoir acheter les choses, vous allez devoir relever plein de défis. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oui! Êtes-vous prêts? C'est parti! Venez-vous-en! Tout ce que Madison touche, on doit l'acheter. Tu as une minute, petit bébé. OK? Une minute. C'est parti! Oh! OK, Zeka, est-ce que tu veux la prendre? Elle a pris ça. Oh! Une main. Oh, OK. Zeka, tu prends ça. Zeka, prends. Allez, les secondes files. Allez. Oh! Nintendo. Je sens qu'il y en a qui vont être gâtés aujourd'hui. Oh, vous êtes chanceux, les abonnés. Oh! Oh, les écouteurs! Wow! Wow! Oh, Zeka, t'appelle. Ah, c'est blessé pendant le challenge. Oh, OK, 5, 4, 3, 2, 1. Ma carte est en sueur. On vient de rencontrer Yanis. Yanis, on te donne un petit cadeau pour toi. Tu peux l'ouvrir. T'es content, Yanis? Vous aimez donner, les enfants? Ouais. C'est cool, hein? Oh, du bye-bye! C'est grâce à toi! C'est toi qui l'as donné! C'est grâce à Dodun! Donc, oublie pas de t'abonner parce que grâce à ça, on peut vous gâter! Oui, on sait jamais, on pourrait vous rencontrer. C'est quoi ton nom? Alice. Alice! Alice. Moi, je pense qu'elle aimerait le lui, hein? Le rose, okay. Le cadeau rose. Tu regardes dedans, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vas-tu jouer avec? Oh! Encore des abonnés. C'est quoi mon nom? Tristan. Malcolm. Ben là, si vous jouez au Xbox, je pense que vous pouvez avoir ça. Ouais. J'en ai une, puis j'ai une carte Roblox. Va falloir te mettre à jouer à Roblox. Merci de t'écouter. Wow, Xavier et Bentley sont abonnés. Est-ce que vous jouez à Roblox puis au PS5? Oui, à Roblox. Roblox. Bon, ben ouais, on les gâte. Allez, on les gâte. Roblox. Oui. Au PS5. Wow. Merci. Wow! Est-ce que t'aimes ça donner? Oui! C'est le fun de donner, hein? Un autre abonné qu'on a rencontré, tiens! Ouais, Alexis! Alexis! Tiens! On va pouvoir jouer à Roblox et avoir plein de points au Roblox! De Robux! Des Robux! Ah! Je dépose. Oh, vous connaissez ça, le cerceau! Le cerceau, vous avez une minute pour mettre plein de choses dans le cerceau, mais si ça dépasse ou que ça tombe, fini, il n'y a plus de 3, 2, 1, go! Allez-y! Oh, OK. Attends, mais c'est quand même gros. Faut pas que ça dépasse. Ah oui, comme ça, c'est bon. Hi, mais c'est risqué! Ouh! Oh non! Oh, wow! T'inquiète, une minute, tu prends trop ton temps. Des livres? Mais t'inquiète, tu prends trop ton temps! Oh, OK, c'est bon. Vas-y. Oh, ça va tout aller aux abonnés, ça, c'est cool. Oh! Et c'est... Dépêche-toi, les minutes, t'es presque terminé. Allez. OK. Parce que c'est qu'on reste à métier. Oh, bizarre. Allez, Ernst, go. Allez. Oh, il y a Robex, allez, prends. Oh, wow, j'espère que les abonnés vont pouvoir avoir ça. Une poche. Non. Une poche? Mais t'as les mains pleines. Allez, prends la Bugatti. OK. Ça va tellement tomber. OK. Oh, OK. C'est la Bugatti! C'est à cause de la Bugatti! Oh non, Elsa! Oublie pas de rester jusqu'à la fin, car toi aussi à la maison, tu pourrais être gâté. Maintenant, tout ce que Ezekiel dessine, je vais l'acheter, mais Mariana doit deviner les dessins d'Ezekiel. L'autre jour, je parlais à Phil de notre vidéo dans laquelle on donne des cadeaux aux abonnés. Pour ceux qui ne le savent pas, Phil est notre monteur. Et Phil a dit en blague qu'il voudrait bien une PS5. Donc, j'ai demandé à Ez de dessiner une PS5 pour surprendre Phil avec ce cadeau-là. OK. Il y a ça, il y a ça, et... C'est quoi? Ah, je sais déjà c'est quoi. C'est quoi? Ah non, j'ai poché! Ah oh, ouais, c'est bon. Moi, je comprends, en tout cas. La tour Eiffel! Mettons... PS! Une PS quoi? 5! Pouh! Oh, la PS5, c'est quand même bien! C'est quand même bien! Bravo, Mariana, d'avoir deviné ça. C'est quand même bien. C'est un dessin qui coûte cher. C'est pour Phil!
OK, là, on vient de quitter les centres commerciaux temporairement. On va retourner dans les centres commerciaux gâter les abonnés. Hein, les enfants? Oui. Mais là, on va aller porter la PS5 à Phil. Phil n'est pas au courant. On lui a donné rendez-vous à un McDo. Et là, il va arriver et on va lui offrir sa PS5. Je sais pas comment on va organiser ça. J'ai là, tellement hâte. On va le texter, on va lui dire « Hey, peux-tu venir nous rejoindre au McDo? » J'aurais besoin de parler, on aurait pu genre dire « On va discuter des prochaines vidéos qui s'en viennent, tout ça. » Et là, on va lui donner sa PS5, j'ai dit « Alors là, je vais lui écrire à l'instant. » Il faut que je dîne et je viendrai après. Non, non, on paye le dîner. On paye le dîner, go, viens. Hey, non, mais il va commencer à s'en douter, genre j'insiste. Vraiment, go, pour qu'il vienne manger au McDo. J'espère qu'il se doute de rien. Moi, je dis go. Go! Je suis super insistant. OK, les enfants, Phil nous a répondu, il s'en vient. Donc là, on va l'attendre à l'auto. Et là, on va lui dire qu'on a quelque chose dans la valise. Est-ce qu'il peut aller chercher quelque chose dans la valise pour nous aider à filmer? Et là, il va voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Il vient d'arriver, cache. Allô? Je te parle. Attends, je suis tellement étrange, faut que je te parle. Avec sa belle moustache. C'est un joke. Ah non, je suis pas capable de dire ça. Je peux pas y faire croire que je le renvoie. Alors, c'est pour te dire qu'on aura plus besoin de tes services. Excuse-moi, Phil, je sais que c'est la dernière minute un peu. Hein. Mais là, on voulait que tu sois dans la vidéo, là, OK? Bon, Phil, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller chercher quelque chose dans la valise pour moi? Ça en donne! Allô, YouTube! Alors l'autre jour, Phil m'a écrit pour me dire est-ce que je pourrais participer à la prochaine vidéo parce que je lui avais parlé que la prochaine vidéo c'était on donne la carte de crédit à nos enfants et on garde nos abonnés. Et Phil est abonné donc je me suis dit on va le surprendre. Mais oui, c'est notre même pas si je suis abonné. Ah, est-ce que t'es abonné? Oui. Et... Je suis abonné. Ah, abonné! Mais vous êtes... Mais qu'est-ce que tu fais, mon chat? C'est pas bon pour l'image de YouTube, ça, là. Je fais juste un petit message là parce que j'avais l'air extrêmement gêné dans la vidéo. Puis c'est tellement pas moi, j'étais juste tellement sous le choc, tellement surpris. J'avais aucune idée quoi dire. Mais en gros, juste merci, les Ventura, pour la PS5. Je suis tellement reconnaissant. Puis sur ce, on passe au prochain défi. Là, les enfants ont une bonne idée, étant donné qu'on est dans le stationnement du McDo. On va aller payer pour les gens qui sont en arrière de nous dans le service à l'auto. C'est moi qui le dis. C'est Ezekiel qui doit commander pour nous et qui va dire qu'il paye pour les personnes en arrière de nous. On va prendre 2 McFlurry au Oreo. Non, 2 crèmes glacées. Non, 2 crèmes glacées. Un autre McFlurry. Pardon? Un autre McFlurry. Devant toi. Merci. Bravo, Ez! Ouais, yeah! T'as réussi le défi. Tu vas payer avec la carte? Ok. Non, c'est pas avec toi l'argent. Non, j'ai même pas d'argent. Est-ce que c'est le défi le plus difficile jusqu'à maintenant? Oui. Mais là, je savais pas quoi dire. Ah, j'ai payé pour le monde en arrière. Tout le monde. Ça marchait? Yeah! Yeah! Enfin. Ah, c'est stressant. Il fait son cool, il échappe tout à terre. Thank you. Merci. Ah, merci. Salut, merci, bonne journée. Hey, bye! Ça fait plaisir! En plus, la personne, c'est une maman d'un abonné, fait que ça tombe tellement bien, parce qu'aujourd'hui, on donne seulement à ceux qui sont abonnés, et là, ben, on a donné à une maman qui sont en fait abonnés, donc c'était parfait. Abonnez-vous! Ok, maintenant, c'est au tour à Mariana de dessiner. Ok, Ezekiel, tu dois deviner le dessin. Oh, ma dessine, elle veut t'aider. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va dessiner? Ezekiel, concentre-toi. Ah! Ok, Mariana. Ah oui, je commence à comprendre, là. Donc, c'est un appareil photo. Ok, mais lequel que Mariana a dessiné? Ah! Ah, celui-là? Oui. Ah, mais rose! Oui, c'est ça! Ah! Bon, Mariana, maintenant, il faut que tu trouves un abonné. À qui le donner? Donc, t'es abonné? T'es abonné à la chaîne? Merci, merci de nous regarder. Oh! Attends, ok, Mariana, elle a dessiné quelque chose pour toi. Yeah! Merci de nous regarder! Alors là, on est devant une confiserie et les enfants, vous avez 2 minutes pour mettre tous les bonbons que vous trouvez. Go! Go! Allez! Oh! Tu réfléchis trop! Bon, Mariana, t'es une pro, toi! Hello, Kitty! Allez, allez! C'est trop cool ici! Tout ça, c'est pour les abonnés, mesdames oui, et messieurs. On a pas fini. On a pas fini, il en reste encore. Donc, est-ce qu'on a battu un record du magasin? Oui, oui. On t'a fait un record. Ouais! C'est le record, on va y avoir. Et voilà votre attends, standard pour nous. Voulez-vous des bonbons? Est-ce que t'es abonné? Ok, ben viens prendre un sac de bonbons.
C'est bon! Bye bye! T'as tout déjà disparu? Hey, t'en as gardé! Hey! T'en as gardé! Hey, merci de nous regarder! Et il y a nous, bande de cons. Vous êtes ceux qui ont le plus dépensé dans la boutique. Yeah! Bande de nouilles. Alors maintenant, on est avec Jaël et on lui fait une virée shopping. Alors, le règlement est que tout ce que les enfants sont capables de transporter dans le monde sans échapper rien, ben, on va pouvoir te l'acheter. OK? Et t'as... 5 minutes. 5 minutes. 1, 2, 3. C'est parti. Go! Faut pas que tu l'échappes à terre, Mariana. Il faut pas que ça tombe à terre. Ça part vraiment mal. Madison, c'est pas toi qui participe. Madison, où es-tu? Madison! Attends, Désiguel, ça va? Une belle pause. Une belle petite pause de défi. Ben, ici, là. Ben, ça continue ici. On va prendre ça. OK, Ezekiel commence à travailler fort, là. Et attention, il faut pas que ça touche à terre, Mariana Rose. Et tu vas pas endurer longtemps avec le bras dans les airs comme ça. Allez, le temps coule, le temps file. Allez, 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 allez. Ça commence à être dur, là. Mariana, on y donne pas grand-chose parce que là, c'est déjà difficile pour elle. On a des tout petits bras pas musclés. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais, t'es capable d'en prendre encore? Très beau! Oh, allez, papa, t'allonge! Allez! Oh! Allez! Non, je peux pas t'aider, j'ai pas le droit. T'es sûr que tu es capable? Là, tu peux plus parler, là. Oublie pas de t'abonner, toi aussi! Reste jusqu'à la fin, car vous aussi à la maison, vous allez être gâtés. OK, prochain défi, les enfants. Si vous devinez le prix, je vous l'achète. En fait, je l'achète aux abonnés. OK, j'ai regardé le prix. Ezekiel, il trouve ça vraiment cool. Donc, OK, Ezekiel, s'il arrive à 10$ près, j'accepte. Ça réponse. Okay. Donc, OK, ça vaut combien? 30, 38,99$. Il est à 8,99$. Tu l'as, c'est bon. Tu l'as eu, t'es à 10$ près. C'est bon, OK, parfois, on l'a eu. OK, Mariana adore Stitch. Et oui. Elle est persuadée que plusieurs abonnés aiment aussi Stitch. Donc, oh, OK, OK. Quel prix, selon toi, environ? 20? C'est parfait, c'est bon, là. Alors, Ezekiel doit maintenant deviner le prix de Cendrillon en pop, édition spéciale 100e anniversaire de Disney. Ezekiel est sûr que c'est cher, alors 10$ près. 60€? Ouais. Et c'est 75$ canadiens, donc ça marche. En euros, c'est à peu près 75$ canadiens. C'est exactement dessus, à peu près. Alors voilà. Autour à Mariana, maintenant elle doit deviner celui-là. Alors, un petit peu plus petit. 60$. Et boy, non! 16$! Elle a dit 60$ et ensuite elle a dit 16. On va dire qu'on n'avait pas bien compris la première fois et qu'elle avait dit 16$ la première fois. De toute manière, vous êtes chanceux, c'est pour vous. C'est pour vous, allez. Maintenant, les enfants ont choisi un sac à dos. On a déjà la maison, mais là maintenant, ça va être pour vous. Mariana, tu vas deviner le prix. Alors, quel est le prix? 41,99. Mariana a dit 40, on avait dit à 10$ près. Il est magnifique. Alors, ces cadeaux, c'est pour vous à la maison. Donc, écris-nous en commentaire la chose que tu voudrais dans ces choses-là. Et n'oublie pas de t'abonner. Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire des vidéos comme ça. Bye!